C'est comme des gaffes. Hostia, David. Hostia, David. David, oui. Qu'est-ce qu'il y avait là? Il y a ça descend. Ah non, alors je vois pas. J'ai perdu un truc. Elle m'a lunette. Oh merde. Ils sont tout grattés. J'étais trop enthousiaste pour ces grottes. Ah, mes lunettes, ils sont cassées. Ah, quel dommage. Tu t'as fait mal? Oui. Ah merde. Oh, regarde ça, c'est... Oh. Oh, 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 oh. C'est bon. Les légumes. Je pense que j'ai envie des légumes. Je sais. Une gorge magnifique. J'ai jamais vu une gorge aussi belle et en fait, nulle part c'est écrit en fait. Bon, nulle part, je sais pas. Tout le monde va voir ce truc là, mais ça c'est 10 fois plus intéressant. Et je suis tout à fait d'accord. Cucurucio, santé. That's native pink. Alors c'était comment c'était cette nuit? La nuit c'était super, l'endroit il était super et on a très bien fait de rester ici parce que voilà, là on était seul et ce matin à nouveau avec le soleil, bah, il y a tout le monde qui est arrivé à nouveau se faire des photos, mais nous on avait déjà tout. Pourquoi
y a tellement de camions, tu penses? Mais c'est les mines. Ah. Les mines de soufre et les mines de bétonite, je crois. Vaneus. Ça y est, on est arrivé. Mais le chemin pour arriver ici, c'était particulier quand même. C'était joli, non? Alors, intéressant. C'était intéressant, c'était joli, intéressant, mais aussi particulier avec toutes ces mines. Relax. Et juste là, on a vu une phoque. Un phoque. Un phoque, c'est masculin. Mais il doit être encore par là alors. Il est là, 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 là. La tête, il est sorti la tête. Dans les Cyclades, et spécialement autour de Milos, vivent quelques exemplaires restants de la phoque Monacus monacus, donc c'est phoque moine. Impressionnant, longue d'environ 2,5 mètres et pesant 300 kg. Elle a la peau couverte d'un léger duvet noir sur le dos, plus clair sur le ventre. Un phoque moine. Toute la route qu'on est descendu et qu'on est remonté pour aller à cette belle plage. Je n'arrive pas même à respirer. On continue. Ah, mais je me rends compte en fait que ce gros truc là, c'est quand même l'exploitation minière. Parce que tout ça, tu vois, le rocher qu'on vient couper. Ouais. Et en fait, ça, c'est les restes qu'ils n'ont pas pu utiliser. Ils ont laissé tomber comme ça. Ça se voit pas bien, hein. Mais c'est un p*** de montée. Putain de montée, ça. Et c'est quelle heure? C'est 3h, là où le soleil il pique le plus. On est tellement désorganisés. C'est intelligent. On est très intelligents. Des fois, t'as pas le choix. Hein. Bon, là, on avait, mais nous, on a préféré de chiller ce matin. On est sorti à midi. On n'a pas chillé, tu as fait des révisions. Ah oui, mais attends. Parce que, voyager, non, non, non. Où c'était de travailler. Easy, on commence à avoir l'habitude. Là, ouais, allez, vas-y. Il veut toujours minimiser les choses, jamais faire la crise. Mais après, elle... Tu vas trouver par terre là. Hein. Après, je vais les trouver par terre, c'est vrai. C'est... Il fait toujours la même chose. Ah, mais tu m'as comme ça, elle me monte. Non, je m'évanouis, c'est noir, ça devient noir. Ok. Moi, oui, je monte. On est encore à Milos, comme tu peux voir, on est dans une plage. Et oui, je sais qu'est-ce que tu penses, que je vais te dire qu'on a dormi très bien dans cette spot, que c'était très joli, blablabla. Bah, en fait, c'est vrai. C'est une très jolie spot et on a très bien dormi. Bon, il y avait un peu de vent, mais comme toujours ici au Cyclades. Et par contre, cette plage elle a une particularité. En fait, derrière nous, il y a une mine de soufre
abandonnée depuis les années 50, au fin des années 50, début des années 60 peut-être. C'est un truc de ouf. Et on est arrivé hier soir, on était tellement excités pour rentrer dans tous les endroits, regarder qu'est-ce qu'il y avait, qu'on n'a pas vraiment filmé. Mais cette fois, oui, on va te la montrer. Ce matin, on a décidé qu'on va faire une petite vidéo parce que c'est très intéressant. Mais tu sais quoi, je vais te montrer ça après que tu vois le réveil de ce matin. Je vais chercher David. Et c'est parti pour cette visite. Mais c'est quand même fou que dans 60 ans, ça dégrade tellement en fait. Les maisons qui sont déjà en ruine, le fer qui est complètement rouillé. Seulement dans 60 ans d'abandon. Alors là, on voit cette usine en vrac. On ne sait pas très bien à quoi ça sert, mais ici, on voit en haut, tu vois un trou. Et là, tu vois le soufre qui est encore un peu jaune. Je pense que ça tombe dans ce tonneau qui tourne, qui doit l'extraire. Et ça tombe plus en bas, dans une autre machine. Donc en fait, ça, je pense que ça commence de tout en haut et après ça descend vers en bas. Démonté, mais là en fait tu vois comme ils ont pu être empilés, donc ces lits ils ont été empilés, donc c'était en couche, puisque là il n'y a jamais assez de place. Donc aussi ici, si tu regardes là, tu vois tous ces lits en fait qui étaient là pour les ouvrir. Là c'est encore les habits. Est-ce que la même cuisine que j'utilisais à Plan Palais? Tu as vu, il y a 4 lits dans une petite chambre. Surtout les lits font, je sais pas, genre 1,80 m, pas plus. Tu vois, ça me semble, c'est plutôt une chambre type individuelle ou à deux. Avant, tu avais là-bas beaucoup, beaucoup de lits l'un sur l'autre. Et là, c'est une petite chambre, même avec une petite cheminée là. Et à mon avis, c'est peut-être la génératrice hein, pour donner l'électricité à toute cette mine. Mais waouh, il est impressionnant ce moteur. Je crois que j'ai jamais vu un moteur aussi grand. Impressionnant.
On a vu beaucoup de choses, mais on n'a pas encore vu de mine. Et là, il y a un trou ou un tunnel et on va voir dedans. Et peut-être c'est une mine, peut-être pas. On verra. On y va là. Oui. Alors déjà ici, tu vois une première pierre qui est tombée, d'ici. Waouh! Et là, tu vois les infiltrations de soufre aussi. Bon, là, je vais mettre la lumière parce que j'ai bien amené une lumière pour quelque chose. Attends, attends, je te suis, je vois rien. On vient un petit peu plus loin. Ça, c'est les mines, ça. C'était trop claustrophobique pour moi. Je suis sortie. David, il est rentré. Il est allé jusqu'au fond, je ne sais pas. Mais il était tout noir et je ne pouvais rien voir. Je me suis stressée et je suis partie. Parce que je me suis dit, on est tout seul, mais complètement seul dans cet endroit. Donc, voilà. Au moins, je suis là, dehors, avec le téléphone. Mais c'est fascinant, c'est fascinant. Bon, alors là, je ne sais pas si tu vois, mais on est au fond de la mine. En haut, on voit encore un peu des bouts de soufre. Et là, je pense que c'est fini, le tunnel. Donc, je vais revenir en arrière. C'est impressionnant, ils ont rentré comme ça dans la roche, dans la montagne. Là, on a encore des rails, des chemins de fer qui passaient par là pour sortir tous les bouts de soufre. On va attendre qu'il arrive. J'espère qu'il va arriver bientôt parce que si Dieu doit rentrer les chercher. Et alors? En fait, il y a un tunnel qui va, je sais pas, 50 mètres dedans. On voit encore en haut des bouts de soufre comme ça qu'ils ont trouvé, mais je crois qu'ils s'arrêtent. Donc, après, il descend un peu comme ça, mais je ne vais pas grimper dedans. Mais c'est assez impressionnant. Alors ici, tu vois, la plage qui devient complètement rouge, mais rouge, rouge. Et là, on va aller. Impressionnant. Putain, putain. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Nous, on l'a trouvé très intéressante. On a trop aimé cet endroit et on a essayé de t'amener dedans. C'est pas toujours facile, mais voilà. J'espère que tu as aimé et on te dit à la prochaine.